Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter une à deux fois par jour sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran pour qu'on puisse débloquer l'XP de cette map et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'XP, genre des glitchs qui vont vous rapporter 5, 10, 15 levels par glitch. Donc n'hésitez pas à nous aider à débloquer l'XP sur cette map en vous connectant tous les jours une à deux fois. Et merci à tous ceux qui le font, donc le code de la map sera en description, en commentaire épinglé. Alors le code du glitch de cette vidéo... c'est le 94005264086877. De toute façon, le code sera aussi en description, en commentaire épinglé. Donc là, vous sélectionnez la map, vous lancez en preview pour pas être dérangé par les autres joueurs. En attendant que la map se lance, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, c'est pas obligatoire, mais ça soutient à fond la chaîne. Par la même occasion, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc merci à tous. Alors là, vous attendez que le jeu se lance. Quand le jeu est lancé, vous appuyez sur option, menu, lancer le jeu. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'attendre 10 minutes. Donc, vous attendez 10 minutes avant de faire les glitches que je vais vous présenter. Comme ça, vous allez gagner beaucoup plus d'XP. Après, vous n'êtes pas obligé d'attendre, hein, vous pouvez le faire directement. Mais voilà, moi, je vous conseille quand même d'attendre 10 bonnes minutes. Puis ensuite, faire les glitches pour être sûr que ça rapporte plus d'XP. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais attendre 10 minutes. Donc, à tout de suite. Ok, donc là, j'ai attendu 10 minutes. Et on va aller voir... combien d'XP ça va me rapporter. Donc déjà, il y a deux glitches d'XP de l'autre côté du bouton code créateur. Deux glitches d'XP en AFK, juste ici. Donc, on a un ici et un ici. Donc, on va les actionner. Ok, on gagne du 3x3. On va aller actionner le deuxième. Je sais plus c'est lequel que j'ai actionné. Le gauche ou le droite? Ok. Et là, on va gagner du 6x6. Ah non. Ah, on gagne du 25x25, c'est déjà mieux. Alors, il y a un autre glitch qui se trouve ici, près des matelas. Donc, vous montez sur la machine, ensuite vous sautez, ça vous TP ici. Là, ce que vous faites, c'est que vous faites des rampes pour monter au-dessus de la faille Exit. Voilà, vous faites comme ça. Là, regardez, Exit, il est juste en dessous de moi. Et normalement, il y a un bouton XP qui devrait se trouver, voilà, juste ici. Et un XP, on va interagir avec. Donc je suis à 900 d'XP, on va voir combien ça va me rapporter. Ok, on a gagné quand même 21 000 XP. 21 000, 22 000 XP, donc c'est plutôt pas mal. Alors il y a un autre glitch qui se trouve ici, près des machines, à côté du bazooka. Donc, vous montez ici normalement. Et là, il devrait y avoir un bouton, voilà, juste ici, regardez, Iron XP, vous interagissez avec, j'étais à 59 000. Ok, donc ça m'a rapporté 12 000 XP, parfait. Je vais juste aller vérifier un truc parce que je sais que sur cette map, anciennement, il y avait un glitch avec le jetpack. Genre on montait dans ce coin là. Ok, non, il y est plus. Il y est plus dans cette version. Donc je vais vous montrer le prochain glitch. Donc vous tombez dans la lave. Et là vous cherchez après l'image qui est juste en face de moi. Voilà, parfait. Donc ce sera le dernier glitch de cette map. Donc on va voir combien ça va rapporter. On va y aller en se brûlant parce que ce sera un petit peu plus rapide, je crois. Donc ce que vous allez faire, c'est créer comme ça des rampes. Jusqu'au dessus de l'image, vous créez des rampes comme ça, un plat, juste au dessus de l'image, voilà. Ensuite là, vous allez créer 5 rampes, 1, 2, 3, 4, 5, ensuite 5 plats, 1, 2, 3, 4, 5, et là mon personnage devient bleu, je fais une émote. Et là j'étais à 46 000 XP, on va voir combien ça va me rapporter. Ok, donc j'ai gagné 23 000 XP si je me trompe pas. Donc 23 000 XP, donc on a presque gagné un niveau complet avec ce glitch. Donc c'est plutôt pas mal, un niveau en quelques minutes. Hein.
En 5 minutes, ça va, c'est assez rentable. Alors si vous voulez gagner plus d'XP, soit vous arrêtez le jeu et vous relancez le jeu en illimité pour regagner les XP en illimité, ou soit vous utilisez la technique secrète qui sera en description en commentaire épinglé, qui vous permet de gagner 5 fois plus d'XP par glitch sur Fortnite. Donc n'importe quel glitch, vous allez pouvoir gagner 5 fois plus d'XP. Donc là par exemple, là j'ai gagné un niveau. Donc ça veut dire que si j'aurais utilisé la technique secrète, ben là j'aurais gagné 5 niveaux. Donc voilà, vous pouvez aller, si vous ne connaissez pas la technique secrète, elle sera en description et en commentaire épinglé, vous pouvez aller la voir. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoCoolMec et ciao. Peace. I'm Nick, bruh.